Salut à toutes, salut à tous, c'est le Congrès 122, on se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode sur Bravely Default. Allez, c'est parti, je m'étais arrêté à la carte du monde, parce que je m'apprêtais à continuer une quête annexe. Allons-y, si le jeu veut bien, c'est bon. Mais avant de commencer, deux personnes ont voulu que je leur fasse une dédicace, donc allons-y. Petite dédicace à Guillaume et à Taka, voilà, ça leur fera plaisir. Je vous l'avais dit, les gars, que j'allais le faire. Voilà, maintenant, vous allez arrêter de me faire chier avec ça. Non, je déconne. Bref, allons vers cette quête annexe. Elle se situe ici. Sur le grand navire. Ok, par là. Allons-y. Absolument pas. Comme Ulysse, effectivement. Je parlais absolument pas, mais dans le jeu. Après, moi, je sais ce que c'est quand même. C'est jamais. Ah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui voulait que je laisse les dialogues jap, donc je vais le faire. Par contre, l'épisode risque de durer plus longtemps. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va aller glaner des informations. Alors, bonjour monsieur. J'ai entendu dire que ce barde avait des élèves dans le monde entier. Quand j'étais jeune, il devait avoir à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'il soit toujours en vie. Quand il est parti, je me rappelle qu'il a dit qu'il allait voir l'un de ses élèves en Chiem. Ah. Attends, il faut encore que j'y parle? Là, blabla, Chiem. Je vérifie. Il faut que j'aille à Anchiem, visiblement. Il faut que j'y retourne. Ah, c'est bon. Ok. Eh ben, allons-y, hein. Ouais. Let's go. Miaou. Te fait de ses détours. Ah merde, il me faut un port. Il est où le port déjà? Là. J'ai pas besoin de port, mais bon. Il fallait que j'accoste sur une île. Voilà. Ok, allons-y. Bon, visiblement, c'est pas grave, même si c'est la nuit. On va pas sauvegarder tout de suite, ça sert à rien. Oui, c'est moi, Karka. Pellar a choisi comme élève en premier. Hélas, j'ai bien peur qu'il ne chante désormais avec les anges. Quand il a su qu'il ne restait plus longtemps à vivre, il a décidé de rendre une dernière visite à trois de ses élèves. Il m'a ainsi transmis l'un de ses grands secrets. La dernière chose qu'il médite, c'est « Ouvre toujours grand la bouche quand tu chantes ». La deuxième élève qu'il est allé voir, il me semble qu'il vivait près du château de Caldis, là. Génial, faut que j'aille là-bas. Allons-y. C'est reparti. Voilà.
C'est à l'autre bout, quoi. J'espère que cette quête vaut son pesant de cacahuètes ou vaut son pesant d'or. On va obtenir un truc bien craqué parce que faut faire 36 000 détours. Bon, elle se trouve vers le nord. Allons-y, par là. Ici. Ouais, c'est là. La ville de départ, ok. Ça fait longtemps que je suis pas retourné ici. Vous cherchez mon ancien mentor? Cela fait bien longtemps que personne ne m'a parlé de lui, ça fait chaud au cœur. Oui, j'étais sa deuxième élève. Quand il est venu me voir, il a gardé mes enfants avec tendresse, comme s'il s'agissait de ses petits-enfants. Aujourd'hui, ils sont tous grands et moi, je suis une vieille femme. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit ce jour-là? Je me rappelle son dernier conseil. Lorsque tu chantes, tu dois partir du ventre. Il est entré quelques semaines avant moi, puis il est parti vers son troisième élève. C'est quelqu'un qui habite à Florem, la contrée radieuse. Et allez, encore troisième détour. Je me suis trompé de voix, je lui ai fait une voix de jeune. J'ai pas vu que c'était une vieille. C'est pas grave, ça l'a fait rajeunir, c'est bien. Et allez, c'est reparti. J'accoste là. Ouais, je vais accoster là, écoute. C'est bizarre, j'ai pas de rencontre aléatoire. Hein. Bon, enfin pourquoi pas. J'ai quand même vérifié. Ah ben oui, je me suis mis à moins 100%, tu m'étonnes. Voilà, on va remettre à zéro. Et là, je vais avoir une rencontre. Non, même pas. Je me disais aussi, c'était bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'elle se trouve? Par là-bas. C'est elle? J'apprécie les filles qui font des efforts pour suivre la mode. Les autres sont juste de grosses fainéantes. Non, c'est pas elle. Lui? Oui, j'ai été son dernier élève. Cela vous surprend? J'imagine que vous attendiez à voir une femme, que vu que je vis à Florem, je le vois à vos têtes. Quoi qu'il en soit, mon mentor est allé voir deux autres de ses élèves avant de venir me trouver. Il nous a transmis à chacun l'un de ses secrets de son succès. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Eh bien, c'est très embarrassant. Mais il m'a dit, ne sois jamais timide lorsque tu chantes. Il craignait toujours que je manque d'audace. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a murmuré en me quittant pour la dernière fois. Un chanteur n'a nul besoin de finesse, m'a-t-il dit avant de partir en direction de Hartshield. Je sais même pas où c'est. Hartshield. Ouais, je vois pas où c'est. Ça se trouve, j'y suis déjà allé, mais ça m'a pas marqué. Bon, c'est pas grave. De toute façon, la carte va me le dire. Ah ouais, c'est là-bas, d'accord. Et il faut à nouveau que j'aille vers l'est. L'ouest. Si je sais pas mes points cardinaux, ça va pas le faire. Ah, ben voilà, rencontre aléatoire. Qu'est-ce que c'est? Quoique, non. Au cas où, on va assurer, écoute. Oh, remarque, Ringabel, il va aller où est-ce? Ouais, voilà. Ça servait à rien que... Ça servait à rien que je donne des ordres aux autres, Ringabel les a OS. Oui, tease, merci. Ok, direction vers l'ouest. Et c'est rebardé. C'est
C'est quoi comme monstre? Waouh! C'est quoi ces bestioles? Piaou, hein, on sait jamais. Un requin fou. Carrément. Tu es aquatique. Wouah, 2200 de critiques. Ok, Ringa, t'es craqué. Papala. Ah, bah cool, les deux ont passé parfait, ça. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Voilà. On y est. Bon, maintenant, faut à nouveau traverser à pied. Allez, on est reparti. Et je sens que les monstres vont pas me laisser tranquille. D'accord. Et en plus, ils ont l'initiative. Pff, normal. Tout va bien. C'est pas grave. Ils vont prendre cher quand même. Encore un coup, il est mort. Voilà. Merde, c'est pas sa faiblesse, c'est dommage. Je sais pas s'il va mourir. Non, dommage. Pas de bonus. Aïe. Aïe. Il invoque deux autres de ses compères, bien entendu. Aïe, aïe. C'est bon. Je vais changer, je mets du glacier 2. Je pense que c'est le glacier, leur faiblesse. Voilà. Tueur de d'insectes, du coup. Ouais, je vais pas me faire chier. Tu dégages. Tout dégage. Ouais, c'est leur faiblesse, c'était sûr. Voilà. Ouf. Waouh. Ok, ça valait le coup. 1152 quand même. Quand même. C'est... ça va. C'est raisonnable. 728 XP, 90 points de compétence. Et ben... ça valait le coup. Bah c'est parfait, on doit se diriger vers la ville. Allons-y. Ah! Encore? Très bien. Vous allez prendre cher. Vous allez prendre cher. Très 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 cher. Qu'est-ce que tu... non, tu fais pas de compétences, ça suffira amplement. Ok. Dégage. Ça dégage. Ok. Alors déjà, on va se heal. Ah, il est là. C'est lui, visiblement. Attends. Quoique, on va lui parler au cas où, on sait jamais. Le vieux merde, ben oui, mais il est mort il y a moins de 10 ans.
Environ 6 mois après son arrivée ici, il a réuni tous les enfants et nous a appris à chanter. Toujours chanter la bouche grande ouverte, tout chant doit venir du ventre. Ne pas être timide quand on chante. Non, il nous a rien dit de la sorte. En revanche, il nous a dit, vos cœurs sont unis et le plus important, c'est de s'amuser. Il n'y a pas que moi, tous les gens de la ville ont été ses élèves et leurs enfants aussi. Même en plein cœur de cette guerre, je parie qu'il ne serait pas difficile de convaincre les sentinelles de se mettre à chanter. Quand il est mort, nous avons envoyé toutes ses affaires à grand navire. Non, non, mais me dis pas qu'il faut encore aller là-bas. Si, va falloir. Ok. Très bien. Eh ben, on y retourne. C'est reparti. À tous les allées venues qu'il faut faire. Effectivement, quelqu'un m'avait dit qu'on allait voir du paysage. Ouais, c'est le cas, ouais. On fait plein d'allers-retours, c'est génial. Ce qui me fait chier, c'est ces rencontres aléatoires. J'aurais dû laisser ça en moins 100%. Mais non, on va pas tricher. Sinon, c'est moins drôle. Enfin, c'est moins fun et c'est plus un RPG, du coup. Merde, pourquoi je choisis... Quoique, je sais même plus si le feu, ça lui fait quelque chose. Je crois que c'est la glace. Mais je suis pas sûr. Bon, c'est grave. On verra bien. Ouais, c'est la glace. Pas grave, il est mort. Ta-ta-da. Je sens que je vais avoir deux rencontres aléatoires. Là, une et encore une après. Ah, quoique. Ah, peut-être qu'une, en fait. Crève, merci. Au revoir. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous épargner la traversée et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bien, nous revoilà. Donc... Allons-y, allons sur le grand navire, c'est parti, accostons. Que va-t-il se passer? Il faut retourner au bar, ok. Go. En gros, on a fait tout ce voyage pour rien, hein. J'ai l'impression. Il se passe quelque chose? J'ai terminé la quête là? Attends, voyons ce que ça veut dire. Ouais, ok. Enfin, je l'ai pas terminé, mais bon, faut que je retourne là-bas. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de va-et-vient, quoi. Enfin, d'aller-retour. Ah non. Ça va pas tarder. Voilà.
Des fantômes. Je crois pas. Je pense que vous n'aimez pas la glace. On va voir si j'ai raison ou pas. J'ai pas ce qu'il faut, donc attaque. Non, c'est pas leur faiblesse. Aïe. Ah, c'est le feu la faiblesse, merde. J'aurais dû y penser. Allez, ciao. Donc faut retourner ici au fort. Il faut lui reparler, je suppose. Ouais. Se battre. Attends. Se battre à nouveau, ouais. Je vais te massacrer, tu vas voir. Non. Non. Ouais, ouais, je me déchaîne moi aussi, t'inquiète pas, mais moi c'est à ma façon. Bien dit, Edea. Bien joué. Oh non, 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 mes oreilles. Ça marche pas. Ah, dommage. Tu sers plus à rien, hein. Vu qu'un barde, ça sert juste à chanter et à faire la musique. Donc du coup, tu sers plus à rien. Ouais, mais je t'attends, hein. C'est pas avec ton instrument ou ta flûte que tu vas faire quelque chose, ou alors avec ton chant. Hein. Ouais, well, je suppose qu'on n'a pas le choix. C'est ça la musique? Ouais. Bref. Défaut. 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 Enfin, default. Oui. Quand même, hein. Ah, putain. Et il a fait un coup critique. Qu'il est con. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est en folie, j'ai oublié. PB, ok. Ah, il a augmenté ses PB. Très bien. Tu veux jouer à ça? Y a pas de souci, ma belle.
Là, on va faire du soin quand même. Hein. Quoique. Je réfléchis. On va faire que du soin normal. Et après, tu vas me faire une magie noire. Qu'importe. Sur la hache noire, il faut le détruire, lui. Là, tu vas mourir, mec. Tu vas prendre, mais... Je te raconte même pas ce que tu vas prendre. Tueur, tout court, hein, tueur de rien. Tu attaques. Un petit aidé, special. Surpuissance d'attaque 1, paralysie, attaque pour tous les alliés. Ouais, on va faire paralysie. Hop! Chevalerie, non. Tu vas faire acrobatie. Ça te fait du moins 3 quand même. Grand saut, moins 3. Alors ça, je le ferai après. Attaque, attaque, attaque. Allons-y. Holy shit, 3300 dans sa gueule. Et allez, t'es mort. Au revoir. Super puissance. Boom. Dans sa face. 4000 de dégâts. 2000 de dégâts. C'est pas sa faiblesse. Pas grave. On va envoyer la sauce. Attaque 1, def, coup pour les alliés. Encore de l'attaque. Toujours plus. Magie lame. Qu'est-ce que ça peut être la faiblesse d'un barde? Le feu peut-être, le feu, allez. Attaque. Agnès, défaut. Boom! Bitch! 1172, ça va. Non, c'est pas sa faiblesse. Dommage. Merde, elle est vraiment invoque. C'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. Ah, tu les re-invoques. Très bien. Tous ou pas? Non, je vais faire un éclair éteinte sur le H noir. Magie noire, foudre. Lui. Défaut, hop. Aïe. Ouïe. En fait, il faut que j'en garde un en vie. Ok, j'ai compris. Et complet. Aïe. Ah purée, il a la folie en plus. Tout ce qu'il fallait pas. Ok. Tout va bien. Je maîtrise la situation. Quoique, non, mon petit Tease, tu vas faire défaut, toi. Et toi, ma petite Agnès. Non, blanc, soin de tous. Et toi, objet... Remède, Ringa. Oh là, ah non, putain, fallait pas le viser, putain. Tant pis. Bon, ça va, c'est pas trop mal, on va dire, sa folie aurait pu être bien pire. J'ai eu quand même pas mal de chance vis-à-vis de la RNG, mais bon. C'est pas tout à fait ce que je voulais, quoi. Compétence, vol... Non, pas vol, chasse. Non, attaque. Et ma petite aidée. Compétence acrobatie. Barrière spirit. Réduit les PM au lieu des PV. Je vais faire barrière d'âme. Attaque. Pff, elle est en train de prendre très cher. 61 PM en moins, c'est pas mal. Ah.
Ouais, prends cher, hein, prends cher. Allez, ouais, ça les a re-invoqués forcément, quoi. Bon, c'est pas grave. Elle fait chier avec son truc, là. Mais c'est pas grave. Je maîtrise. Pas bien, Ringa. Ah, putain. Waouh. Ah ouais, quand même. J'ai pris 1200, là. Ça picote, mais ça va. Alors, hop. Magie blanc, soin 2. Magie noire, foudre 2 sur toi. Sur toi. Sur toi. Défaut, défaut. Enfin, default. Oh non! Ah putain, ça craint là par contre. Ok, il est mort. This is bad. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Normalement, ça doit être bien. Oh! 1200! Holy shit! Ok. Ok. Alors, très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, tous ou tease. Non, tease. Et tu vas faire magie blanche. Tu vas me faire un petit. Comment ça s'appelle? Une purge, voilà. Purge sur lui. C'est. Il me fait chier là. Objet, tu vas prendre Ringa. Tu vas donner une maxi popo à Edea très très vite. Voilà. Hop. Le petit suppo qui va bien. Et Edea, full stuff. Tu vas faire une acrobatie, tu vas faire un broyeur d'âme sur Praline pour lui envoyer, pour enlever DPM. Encore une fois. Mais tu vas attaquer 2 fois. Voilà. Ah, sale putain de merde. Faut pas qu'elle crève. Faut pas qu'elle... What? Ok. Ok. Waouh. 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 Je me suis fait démolir. C'est... This is really bad. On est dans la merde. Je le dis tout de suite, on est dans la merde. Non. Ok. Waouh. Ça va être chaud, hein. Je le cache pas, ça va être chaud. J'aurais dû prendre plus de maxi potions. Ça va, on est un peu mieux là. Ok. À mon tour maintenant. Glacier 2. Attaque. Non. Tu attaques Praline, s'il te plaît. Praline. Attends, t'as attaqué 3 fois Praline là? Ouais. Soin 2. Full à tout le monde. Je peux pas risquer.
défaut. Ouais, default, allez. Quoique. Oh putain, j'hésite. Réfléchis. Non, soin, il vaut mieux. Ouais, mais il va me faire mal. Faudra qu'il attaque soit Tease, soit Agnès. Je sens qu'il va pas l'attaquer. Tant pis, je tente. Waouh! Really? Putain. Ok. Ok, il va falloir le debuff. Je vais le debuff. Et je vais faire... Non, je vais faire brave. Je vais faire du soin. Et je vais le debuff. Il a rien? Ah bon? Je crois qu'il y avait quelque chose. Bon, bah c'est pas grave. Alors, soin à tous. Ok, Ringa. Edea. Horizon. Attends, t'as visé Praline, j'espère. Parce que là, j'ai un doute. Ouais, il avait pas visé Praline. Voilà. Je vérifie une nouvelle fois parce que j'ai peur de faire le con. 1, 2, 3, 4, voilà. 1. Attends, tu vas lui enlever des PM encore. Allons-y. Crève! Tu vas crever, oui! Putain. C'est chiant, hein, Bird. Toujours pas morte, hein. Waouh. Attaque physique plus. C'est maintenant que j'aurais dû le debuff, c'est pas grave. On est full soin, ok. Ok. Tout sans défaut. Non. J'ai failli oublier de la debuff. Oh, putain, j'ai bientôt plus de PM, merde. C'est où purge? Purge H noir. Elle, c'est pas grave, elle fait pas si mal que ça. Débuffe-moi ça. Merci. Impec. Allons-y. Foudre 2 peut-être, je sais même pas. Praline. Défaut. Default. Tu vas mourir, putain! Oh! Et on... Lol. Le gros troll, quoi. Un. Ok. Putain, j'espère que ça va être suffisant. J'hésite à faire à lui donner une potion, mais ouais. Non! Damn it! C'est bad. Ok. Putain. Il va le tuer. Tu paries? Non, ça va. C'est bien. C'est bon. On est good. Tu me prends une maxi, toi. Chiant, son pouvoir.
Putain, j'ai presque plus de PM, quoi. Purge, où est Purge? Combien? 150 PM. Ouais, j'ai pas le choix. Je voulais garder, mais j'ai pas le choix là. Toujours pas morte, hein. Toujours pas morte, c'est hallucinant, quoi. Putain. Toujours vivante, ok. Là, je parle pas parce que je suis en... Je suis tendu, là. Je suis pas bien! Ah, son spécial est à nouveau, là. Parfait. Agnès est de nouveau... Là, alors, tu vas faire du soin sur toi, s'il te plaît. Magie noire, glacier, je vais te rafraîchir les idées. Défaut. Au cas où, ouais, ça risque d'être juste. S'ils attaquent les deux, c'est juste, au cas où. Elle a une initiative, c'est pas grave. Mourir, oui! Toujours pas, hein? Il va falloir des buffs à nouveau. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi, c'est purge? Où est purge ici? Non, pas l'autre, c'est l'autre qu'il faut que je purge. Elle, à la rigueur, c'est pas trop grave. Objet. Maxi était encore un pour Agnès. Aïe! Ah, putain! Je vais pas risquer, écoute, hein. Il faut le soigner à tout prix, tease. Putain, mais... C'est pas vrai, quoi! Mais allez, à nouveau! Ah non, elle a pas. Ah oui, elle lui a donné un PB. On peut agir deux fois. Des buffs. Ah
Aïe. Le debuff qui sert à rien du coup. Aïe. J'ai fait le con. Tant pis. Mon arme est plus enchantée, ok. Désolé, le combat dur, mais c'est tendu. Hein. Là, vous voyez qu'on est vraiment difficile et ça se voit. Qu'est-ce que je fais là? Non, absolument pas. S'il te plaît. Faut jouer avec le soin là. Agnès. Acrobatie. Non, tu vas attaquer, hein. Faut qu'elle crève. Ah non, putain, non! Faut pas qu'il crève. Ne crève pas! Putain, il va crever. Tant pis pour Agnès, elle aura pas le XP. Ouais. Ah putain de merde, quoi! Il fallait que ça arrive, quoi! Ah! Game, please! Tant pis, hein. J'accepte. Je vais pas recommencer. Je la ferai EXP moi-même. Un corset étoilé, une poudre d'étoile. Ok. Comme par hasard, quoi. Le jeu a besoin de te troll à la fin, quoi. Putain, c'est chier. Des artistes. D'accord. Leur tenue. C'est donc ça, augmente les statistiques de tous les alliés en chantant et en dansant. Augmente toutes les stats d'un coup, préfère dague, sceptre et bâton. Très bien. Il est pas mal en épée, en sceptre, ok, en bâton, ok, en dague, ok, d'accord. C'est vrai que ça a l'air pas mal cette compétence, hein. C'est assez craqué. Hein. On dirait des soubrettes, je trouve ça génial. Enfin. Je veux pas venir dans mon groupe parce que t'as l'air assez craqué, donc je veux bien que tu viennes. Ah, elle est débile. C'est bon? Ouais. Bon, au moins c'est fait. Mais bon, Agnès a dégusté. Comme par hasard, hein. Il fallait qu'il vise Agnès. Comme par hasard, quoi. C'est normal, quoi. La RNG du jeu, quoi. Ah là là là. Enfin bon. Au moins, je l'ai battu, cet abruti. Elle m'a bien fait chier, mais bon, au moins, c'est fait. Bon, on va s'arrêter là pour ce 20e épisode qui a été, du coup, très long. Et qui a été aussi, ma foi, assez épique. J'espère, en tout cas, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour suivre nos aventures sur la chaîne KCG. Sur ce, portez-vous bien, en particulier à Guillaume et à Taka. Et à la prochaine. Ciao, ciao.